triste, tu sais. Ça fait des années que je travaille ici. Pourquoi tu dois t'en aller? Parce que l'immeuble a été vendu à quelqu'un d'autre. Et je suppose qu'il a besoin de ses bureaux. J'ai quelque chose à te dire. Il y a bien longtemps, je t'ai promis qu'un jour tu dirigerais les Petrolley Wing. Mais il ne va plus y avoir de Petrolley Wing à présent. Il n'y aura même plus de bureaux. Il n'y aura peut-être plus ces bureaux. Peut-être que le nom changera. Mais ne crois pas qu'il n'y aura plus de Petrolley Wing. Je comprends rien, papa. Eh bien, un nom n'est qu'un nom. Et des bureaux, du ciment, avec du verre et de l'acier. Mais les Petrolley Wing sont un dépôt sacré pour notre famille. Et ils sont là, dans mon cœur. Et un jour, ils seront dans ton cœur. Bonjour, J.R. Wendell, qu'est-ce que vous faites là? Viens seulement vérifier que vous n'emportez rien de ce qui m'appartient. Mais de quoi vous parlez? Sortez tout de suite de mon bureau. Oh, de votre bureau. Ce n'est plus votre bureau à présent. Ce n'est même plus votre immeuble. C'est mon immeuble à moi. Quoi? Vous avez bien compris. Ah, mais non, il a été acheté par... Par une agence. Une agence immobilière. C'est une de mes petites filiales. Un de mes bons amis de la justice m'a fait savoir en temps voulu que vous cherchiez un acheteur. Un de vos bons amis? C'est vous qui avez provoqué toutes ces brimades? Je ne m'en attribuerai pas tout le mérite, mais je dois avouer que j'y suis pour quelque chose. Il ne fallait pas jouer avec moi. Vous me paierez ça, Wendell. Même si je dois y passer ma vie, vous me le paierez cher. Pas de menace. Prenez votre petit et sortez de mon bureau. Je partirai quand ça me plaira. Allez-vous-en tout de suite et emportez ça, ça me blesse la vue. Wendell! Touchez ce portrait, je vous abats comme un chien. Voilà les Petrolley Wing. Allez, viens. Le docteur a dit que tout allait à merveille. Je pourrais garder le bébé jusqu'à terme. Ah, ma chérie, c'est merveilleux. Comment va Christopher? Écoute, ça va, on a passé toute la journée ensemble. Tu sais, Bobby, il faut que toi et moi, on passe plus de temps avec lui, en particulier maintenant. Pam, tout va s'arranger. Rentre vite à la maison, tu veux? Si tu dois avoir un bébé, on doit faire pas mal de choses. Si ça peut m'aider, je rentre en moins de 5 minutes. Au revoir.